Tu vois, quand je lis les actus, là j'en suis au stade où je suis énervé. Écoute ça. Face à la menace chinoise, l'armée américaine va créer une armée constituée d'une dizaine de robots tueurs et de drones autonomes. Eh ben nickel. Donc là, il y a des guerres un peu partout dans le monde, et au lieu de réfléchir à comment les arrêter, on préfère réfléchir à comment gagner celle d'après. Ah ben c'est un problème. Et ça sent pas bon parce que là, ils sont en train de refaire des équipes. Écoute ça. Vladimir Poutine et Kim Jong-un amorcent une coopération renforcée. Ah ouais, donc eux, ils font un crossover, quoi. Voldemort et Dark Vador dans la même équipe. Oui, c'est très dangereux. Ah, les deux ensemble? Ah bah, ils vont pas monter des œuvres caritatives. Tu vois, à l'école, on s'échangeait nos cartes panini. Et bah, eux, ils s'échangent les fils de puterie. Ou les enculeries. Je sais plus, mais c'est un des deux. Ah bah, la gueule du binôme. Eh, hey, Vladim, tu peux nous enfiler des fusées? On voudrait aller chier dans la stratosphère. Mais bien sûr, mon Kimi. En échange, il me faut des flingues pour désinguer l'Ukraine. Et moult opposants politiques. Là, il y a eu un tremblement de terre au Maroc, des inondations en Libye. On est tous en train de se dire, bon, ça commence à faire beaucoup de morts. Comment on peut faire pour les aider? Et on dirait que les grands dirigeants de ce monde, au lieu de se demander comment sauver ces gens-là, ils ont l'air préoccupés à trouver le meilleur moyen pour en tuer d'autres. Eh ben merde alors! C'est pas bon ça, hein? Et alors la semaine dernière, il y a eu le G20, et le ministre indien des Affaires étrangères, il a carrément dit, je cite, « Le G20 n'est pas la plateforme pour résoudre les problèmes géopolitiques. » Ah bon? Ah bah moi je croyais que c'était exactement le but. Bon bah au moins ils ont parlé écologie. Alors ils ont pris quoi comme mesure? Ah, rien Walou. Ils ont dit les énergies fossiles c'est pas bien. Et après ils sont allés à la cantine. Ah les petits bâtards. Mais ils ont mangé végétarien pour sauver la planète. Ah bah ça va alors.